Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la caméra de chez Cetronic, ce modèle 690C qui porte le même nom que sa grande sœur, ici qu'on avait vu ensemble, 690C, mais avec double lentille. Ici, on voit la caméra qu'elle a qu'une seule lentille, donc c'est la petite sœur. Et ici on voit la différence, il est déjà deux lentilles, là il y a le zoom automatique deux fois, là donc 6 LED au niveau horizontal, et ici les LED sont verticales. Bon, ok, donc on va s'intéresser ici, je vais regarder les caractéristiques de cette caméra pour préparer mon test, pour savoir qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut pas faire, et ce qu'il nous dit c'est vrai ou pas vrai. Et en fin de vidéo, vous allez avoir le déballage. Et moi, après, vous allez avoir une deuxième vidéo pour la connexion et une vidéo pour avoir mon avis final sur cette caméra. Donc, trois vidéos en tout sur cette caméra qui vous sera proposée sur ma chaîne YouTube Dingo Dorwan Tech. Donc ici, allez, on commence par le titre. Cetronic, caméra de surveillance Wi-Fi extérieur, PTZ. Donc PTZ, comme vous le savez, c'est pour dire qu'elle est motorisée. Donc, caméra 360 degrés, vision nocturne, couleur, 30 mètres, détection humaine et suivi automatique. Donc elle a la détection de forme humaine. Et suivi auto, donc ça c'est bien. Est-ce qu'il sera efficace, est-ce qu'il sera bon le suivi automatique, ça on le verra. Montage mural ou au plafond, audio bidirectionnel IP66. Donc moi le problème ici c'est qu'il ne donne pas de support, de pré-support au fait à visser directement sur le mur. Il faut prendre la caméra et visser la caméra directement sur le mur ici. Alors là, je vais. Par exemple, ici, vous voyez, ici, normalement, on devrait voir des petits vis, mais on les voit pas parce que c'est un photomontage. Et ici, normalement, il devrait avoir... donc, peut-être il y a d'autres images. Ouais, non, ok. Bon. On regarde un peu les images, qu'est-ce qu'ils nous disent. Donc, vision de nuit couleur et vision de nuit noir et blanc, donc 30 mètres. Ici, donc on peut recevoir la réception par email apparemment. Caméra de reconnaissance, donc ok, ça c'est la notification qu'on reçoit. Ok, détection de forme humaine avec suivi automatique. Bon, c'est pas grand chose. Voilà, donc ici c'est bien qu'il le montre. Voilà, donc on devra visser la caméra directement sur le mur. Voilà, ce qui peut être embêtant pour visser quoi. Voilà, c'est pas très très pratique ça. Donc la caméra est proposée à 40 euros. Hein. 40 euros, il y a un coupon de 5%. Donc 5%, ça veut dire, disons, 2 euros. Donc on va la voir à 37 euros. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Couverture intelligente à 360 degrés, deux façons d'installer grâce à la merveilleuse fonction pan and tilt, horizontal et vertical. Donc c'est 355 degrés, précise bien, et 90 degrés, 90 degrés. Donc 355 degrés horizontal et 90 degrés vertical. Cette caméra de surveillance Wi-Fi extérieur peut capturer des angles de vue plus larges et couvrir plus de zones, éliminant ainsi les angles morts. Le Cetronic, ce caméra de surveillance, a amélioré les problèmes d'installation peu pratiques des modèles précédents en offrant la possibilité d'être monté sur un mur ou au plafond. Parce qu'il y a double, donc il y a des trous là au-dessus, on peut le voir ici. Des trous là au-dessus et trous là, donc directement ici. Mais bon, c'est pratique, non. Non, 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 non. Grâce à l'algorithme d'apprentissage intégré l'intelligence artificielle, cette caméra de surveillance extérieure peut détecter intelligemment les humains et réduire de 95% les fausses alarmes causées par la pluie, les feuilles, les insectes. Cette caméra de surveillance extérieure est également dotée d'une technologie de suivi automatique, de sorte que où que vous soyez,
La PTZ, donc la caméra motorisée Wi-Fi, protège votre famille et vos biens. Corps à double lampe et vision nocturne couleur HD 30 mètres, avec un objectif de 3,6 mm et une haute résolution, donc de 1920 sur 1080. Cette caméra Wi-Fi extérieure fournit des images vidéo claires jusqu'à 30 mètres. J'espère que les LED, on peut faire un réglage. Résistance aux intempéries IP66 et audio bidirectionnel, donc audio bidirectionnel pour dire qu'il y a un haut-parleur et un micro. Vous pouvez installer la Cetronic caméra extérieure même dans des environnements difficiles où il pleut, fait du soleil ou enneigé. Grâce au microphone et haut-parleur intégré, vous pouvez communiquer avec vos enfants, vos voisins ou les facteurs. Vous pouvez les livreurs. Hein. Vous pouvez également avertir les intrus indésirables lorsque vous êtes en déplacement. Cette caméra motorisée, un PTZ, je vous traduis. Wi-Fi, un bon choix pour une utilisation à l'extérieur, à l'intérieur. Compatibilité étendue, enregistrement 24 heures sur 24. Donc, il précise qu'on peut bien enregistrer 24 heures sur 24. Moi, je peux vous le confirmer que ça enregistre bien 24 heures sur 24. Cette caméra de surveillance extérieure contrôlée, voilà, compatible avec iOS, Android, PC. Il prend également en charge la messagerie électronique. Donc, on peut recevoir les notifications par email, donc, puisque avec la grande sœur, avec la double lentille, on peut le faire. NVR, FTP, RTSP, prend en charge enregistrement continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vidéo stockée sur carte micro SD, donc maximum, la carte micro SD maximum 64 Go. Donc faites attention, si vous avez une carte de 128 Go, ce ne sera pas compatible. Donc, il vous faut maximum 64 Go. Vous pouvez avoir une 8 Go, une 16 Go, une 32 Go. Une 64 Go, mais pas une 128 par exemple. Allez, ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Vie privée. Votre vie privée passe avant tout, nous offrant le cryptage AES 128 bits. Il est officiellement recommandé par de nombreuses agences de sécurité, y compris la NSA. Cela pourrait prendre des milliards d'années à une attaque par force brute pour trouver un mot de passe pour déchiffrer le message original. Ok, donc c'est des vidéos cryptées, ça qu'ils veulent dire. Donc, quelqu'un qui essaye de se connecter à la caméra, il aura du mal, soi-disant, à décrypter les vidéos. Parce que c'est à visionner. Voilà. Bon. Donc là, on a la vidéo, on va la regarder après. Cette caméra de surveillance Wi-Fi extérieure n'a pas besoin de capturer les fichiers d'image 1080p clair, offrant une vue panoramique à 360 degrés de la région environnante. Le choix parfait pour une couverture de surveillance inégalée. 30 mètres de vision de nuit nocturne. Donc là, il précise aussi 30 mètres. OK. Vision de nuit. Donc qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Est-ce qu'ils ont rajouté qu'on peut activer les LED? Ce serait bien. Parce que sur la double lentille, il n'y a pas. Hein. Donc 4 zones de détection et 8 points prédéfinis. Est-ce qu'ils ont mis la fonction cruise ici, donc la fonction de balayage au fait automatique, ça ce serait bien sur des zones qu'on a prédéfinies, parce que sur la grande sœur ici, la double lentille, il n'y a pas ça. Ici, ils mettent 4 zones de détection et 8 points prédéfinis. Donc là, au fait, il y a la fonction, mais en zone prédéfinie, donc on peut dire à la caméra, donc prédéfinir des zones, faire zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, mais c'est manuel. Est-ce que ici, on peut faire un balayage automatique, ce serait top ça. Ce serait top. Bon, on va vérifier. Alarme audio, alarme lumineuse, alarme acoustique et optique, alarme à temps. Donc, ok, détection humaine. Donc, quand ils disent alarme lumineuse, c'est que quand la caméra repère quelqu'un, bah, ça va allumer la lumière. Ça ne va pas faire des flashs. Hein. En tout cas, sur la grande sœur, ça ne faisait pas de flash. Donc, il y a là une sirène d'alarme. Donc, la sirène d'alarme fonctionnait très bien sur la double lentille. Donc, on va voir sur ce modèle-là s'ils ont mis le même matériel ou non. Hein. Et on pouvait régler aussi des messages personnalisés assez longs de 20 secondes. Ça, j'ai apprécié. Et sinon, la sirène était assez forte. Elle était assez forte et on peut régler le volume. Ça, c'est bien. Caméra de surveillance extérieure Wi-Fi compatible avec système iOS. Donc l'application Windows, on va la tester aussi. Application large, disponible à l'intérieur et à l'extérieur.
Enregistrement programmé prend en charge enregistrement chronométré, personnalisé la période d'alarme. Donc on peut choisir les périodes d'enregistrement, sinon on peut enregistrer 24 heures sur 24. Bon, ça c'est bien, c'est cool. Donc Wi-Fi de 4 GHz. Donc ici, on l'a, il y a des petites photos. Donc là, le monsieur l'a installé là. Là, en installation, on dira en intérieur. Donc là, on peut voir les vis. Hop. On voit pas le câblage. Il a camouflé le câblage où? Ah si, là, le câble. Il part dans la vitre. Bizarre. Bon. Bon. Ouais. Il aurait pu nous faire une photo de là pour voir comment c'est fait. Et lui, comment il nous l'a fait? Ouh là 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 là. Il a mis directement des adaptateurs secteurs comme ça en extérieur. Non. Non, ne faites pas ça, c'est dangereux. Parce que même si c'est en dessous là, si la pluie elle tape par devant et l'humidité, non. Non, dis-moi pas qui a fait ça. Bon, il met 2 étoiles en plus. Bon. L'appareil a été acheté pour remplacer le modèle noir juste en dessous. Bah, tu m'étonnes si tu branches comme ça, tu m'étonnes avec les câbles, tu mets quand même du mal. Sinon, vous mettez un boîtier, vous achetez un boîtier, ça coûte pas cher au bricot. Un boîtier. Donc il y a des petits boîtiers qui se vendent. Où vous pouvez mettre les câbles à l'intérieur. N'hésitez pas. Donc des boîtiers d'étanchéité. La nouvelle, donc capte elle très bien mon Wi-Fi comme toutes les autres caméras Cetronics fixes et mobiles. Par contre, que d'alerte inutile, surtout par temps pluvieux. J'ai descendu la sensibilité à 15% et j'en reçois encore. Préférez un modèle plus si vous voulez pas passer votre temps à analyser vos photos et vidéos inutiles. Donc ça veut dire que lui, il a mis la détection de mouvement, mais il n'a pas activé la détection de forme humaine. Que j'ai testé la double lentille et les forces d'alerte, j'en ai eu très très peu. Mais vu comment il installe. Bon, allez, on va lire. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Très bon produit. Le mode d'emploi pourrait être plus détaillé, expliquer les différentes possibilités de cette caméra. Les explications apportées à votre service par correspondance ont été très utiles et non et mon interlocuteur très efficace et compétent. Merci. Parfait, c'est ce que j'attendais. Parce que j'aime bien savoir ce qui fonctionne pas non plus. Le suivi des personnes ne fonctionne que parfois et la caméra s'arrête alors dans cette position. Mais excellente qualité d'image. Ok, donc ça, je veux bien croire que le suivi automatique ne fonctionne pas très bien. C'était le cas de la double lentille. Allez, bon, on a vu, il y a du bien, il y a du pas bien, mais il y a des installations aussi un peu bizarres. Mais bon, on va regarder la petite vidéo. Est-ce qu'on peut la regarder d'ici? Oui. Caméra vue, surveillance Wi-Fi. Ici, ils ont bien mis en HD parce que sur la caméra à double lentille, ils ont mis en SD. Regardez ma vidéo quand je fais les caractéristiques, vous allez voir avec des qualités d'image en full HD. Donc, mais je pense pas que c'est un photomontage, hein, sauf qu'ils ont veillé ici à mettre la bonne qualité. J'ai pas de son, pourtant le son est émis, mais je peux vous le mettre. On va voir si c'est pas le volume. Voilà, donc ils ne font pas entendre la motorisation, ce qui est dommage, puisqu'ils mettent leur propre musique. Donc j'aurais aimé qu'ils mettent quand même les vrais sons. Donc moi je vais couper le son parce que leur musique c'est un peu trop fort déjà. Plan en charge jusqu'à 8 points prédéfinis, ok, mais est-ce qu'elle a le balayage automatique? Est-ce qu'elle a la fonction cruise? Je pense pas. Donc là, on voit qu'il faut un long tournevis, hein. Il faut bien un long tournevis, hein. Je vais vous le remontrer. Je vous montre ici. Ici, vous voyez, il a bien un long, très long tournevis, hein. Si vous avez un tournevis court où le manche arrive ici, bah vous allez avoir des difficultés. Donc il faut prévoir un long tournevis. Pour bien visser la caméra, sinon vous allez avoir des difficultés à visser la caméra sur le mur. Donc prévoyez ça.
6 perles du Alcor, une image plus lumineuse et plus vivante. 6 perles. Ah, pour dire 6 lumières. 6 lumières LED, 6 lampes LED. 6 perles, ok. Ok. Vision nocturne en couleur, 30 mètres. Ah, ils disent pas 30 mètres pour couleur ici, attendez. Ils disent pas. Hein. Audio bidirectionnel. Attendez, attendez, attendez. Là, ils montrent des images bien fluides. J'espère que ça filme bien en minimum 20 FPS. Donc 20 images par seconde, IPS si vous voulez. Deux méthodes d'installation. Attendez, attendez, attendez. Deux méthodes d'installation. Donc là, ouais, mais il n'y a toujours pas les vis qui est apparent. Donc encore du photomontage. Ce serait bien qu'ils le font réellement. IP66. Oh là là, la pluie qui coule comme ça sur la lentille. Moi, je vous garantis que quand il y a une pluie comme ça et l'eau elle coule comme ça sur la caméra, bah, à l'image, vous ne verrez rien du tout. Ce sera tout flou. Mais bon, elle est étanche. Donc, il y a peut-être aussi un petit problème on va dire, de conception. Parce que peut-être ici, avec le système ici, normalement, il y a un renfoncement. Mais si la caméra n'est pas plus orientée vers le bas, bah là, vous allez avoir des difficultés d'image. Et ça c'est un peu plus problématique. Avec un arrondi au-dessus, hein, que ça éclabousse direct, on peut avoir des problèmes d'image quand il pleut. Voilà, bon, on a fait le tour. On a bien fait le tour ici des caractéristiques. Donc, je sais à quoi m'attendre. Donc, il y a des points à vérifier. Connexion. Donc, je vais faire une vidéo connexion. Bien sûr, faites attention parce que il y a les nouvelles box. Maintenant, si vous avez la fibre, ils ne permettent pas forcément de changer le mot de passe, ni changer la sécurité, ni changer même le nom du Wi-Fi. Donc, achetez un routeur. Si vraiment vous avez des gros problèmes de connexion pour connecter votre matériel, achetez-vous un routeur, c'est obligatoire. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un routeur à 100 euros, hein. Il y a des routeurs à 20 euros qui feront très très bien le travail. Surtout pour des caméras, pour gérer sa domotique et des caméras, ça suffit largement. Voilà. Donc pas besoin d'investir dans des routeurs très chers. Hein. Un routeur qui prend le relais, ça suffit largement pour connecter son matériel. Donc je vous conseille, hein. Comme ça vous allez pouvoir changer votre mot de passe, mettre le mot de passe que vous souhaitez, le nom du Wi-Fi que vous souhaitez, mettre en Wi-Fi 2,4 GHz facilement, changer la clé de sécurité en WPA, WPA2, gérer les connexions des invités, etc. Acheter un routeur, c'est l'idéal si vous voulez avoir des caméras de surveillance, avoir de la domotique, etc. Vraiment, je vous conseille ça. Bah voilà, on a fait bien le tour. On se reverra pour la vidéo connexion de cette caméra et on se reverra aussi pour la vidéo hein, pour savoir mon avis final sur cette caméra. Donc il y aura trois vidéos sur cette caméra. Donc ici, la vidéo découverte, la vidéo de connexion et la troisième vidéo, la vidéo enfin pour savoir mon avis. Hein, je vais la tester quand même quelques mois pour savoir si elle est correcte ou pas. Moi, je vous laisse ici avec la vidéo de déballage. Donc, restez si vous voulez voir le déballage. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé, commenté, liké. Un grand merci d'avance aussi aux nouveaux pour vous être abonnés. Un grand merci d'avance à vous. Je vous remercie. Je vous laisse avec ici la vidéo de déballage. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Dingo Dorwan. By thirst, I'm a
inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down my fate.